أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فارس bienvenue sur les pages de votre frère 224 tout fort C'est ici et nulle part ailleurs. Merci d'être là. Merci pour vos soutiens, vos bénédictions. On est là. Car l'homme est sous la protection divine. Et à la veille. Voilà. Merci de partager ce live. Voilà. Désolé, tout à l'heure, j'étais en live. Je n'avais pas coupé les gens. J'étais un peu mélangé là. Voilà. Parce que voilà, vous savez que... Voilà. Alhamdoulilah, l'homme a bien fait la rupture et on a très bien prié le Tarawir qu'Allah nous facilite, continue de nous donner la santé, la longévité pour aller jusqu'au bout de ce ramadan. Peuple de Guinée, tout à l'heure, avant la rupture, je vous avais fait une vidéo, courte vidéo, vous annonçant, je dis bien, tentative de négociation de Mamadi Jordan envers Claude. Vie qu'au Oui, c'est du incroyable mais vrai. Mais je vous dis ceci, ça s'est passé dans la plus grande discrétion. Mais c'est un piège. Et comme c'est un piège, quand on a des infos comme ça, on vous donne pour que vous soyez informé. Pour ceux qui viennent raconter des patati patata, tu mens, tu mens, tu mens. Mais c'est facile. Prends ton téléphone, tu viens donner tes vérités à toi, aussi simple que ça. En tout cas, les mensonges-là sont doudés, parce que tu restes là pour écouter les mensonges-là. Le blanchissement du CNRD, le système de blanchissement du CNRD, à la tête le baron Amara Siriki Kamara. Wow Amara, Giba, les membres du CNRD, comment ils sont en train de blanchir l'argent Comment ils sont en train de blanchir les vols d'argent qui pillent dans, nos, dans notre pays Comment ils sont en train de faire Aujourd'hui, j'ai suivi les grandes gueules. Et dans les grandes gueules, il y a Mohamed Ali qui a fait... Une analyse, au fait, il a fait une enquête dont il avait, il était en train de faire le développement sur l'antenne, à l'antenne plutôt, et là il a été dit que quand le bateau turc, le bateau vient pour donner le courant à Conakry, ils vont payer le kilowattheure à 25 cents de dollars. À 21, 21. Donc, ils ont fait calcul là-bas à espace. Et tout le calcul a donné, je crois, euh, 21 millions de dollars, c'est ça. 21 millions de dollars pour que la Guinée, qu'on a créé en tout cas, on a, on a le courant. Pour qu'on a le courant. Toute la Guinée, pour qu'on a le courant. 21 millions de dollars. Alors apprêtez-vous. Le CNRD dit qu'il n'a pas d'argent. Le CNRD dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais vous payez des véhicules de luxe. Est-ce que depuis que la Guinée est Guinée, depuis que vous avez connu ce pays-là, on, on est tous nés, grandis dans ce pays-là, tous nés, grandis dans ce pays, est-ce que vous avez une fois vu dans les régimes où on voit des véhicules, c'est-à-dire les véhicules de collection, Tels que les Lamborghini. Bon. Les Lamborghini, les Ferrari. Est-ce que vous avez une fois vu que ces véhicules de collection, hein, les commandes spéciales, roulent dans notre pays Non. Non, jamais de la vie. Et ça, c'est du blanchissement répandu dans le CNRT. Ceux qui ne le font pas sont minimes. A commencé par Mamadi, venant par Amara. Ils ont payé des véhicules de luxe, confiés à des personnalités publiques, à des artistes, à des personnes qu'on peut penser que ces personnes peuvent acheter ces véhicules. Imaginez, récemment, on a vu le frère Oudi Ier qui, voilà, qui roule dans des Ferrari, qui roule dans des véhicules de luxe. Hein? Je n'ai rien contre toi, des mon pote, t'es mon grand, ou bien. Maintenant, et d'autres personnes de véhicules de, de luxe aujourd'hui roulent dedans. Et ces personnes viennent de l'extérieur. D'autres arrivent de l'extérieur parce que pour le Guinéen, le citoyen lambda Guinéen, quand une personne quitte l'Europe ou la personne quitte les États-Unis, le Canada, et que la personne vient rouler un véhicule, voilà de luxe comme ça, on va dire que hmm, la personne-là a amené ce véhicule avec lui. Non, la majorité de tous les véhicules de luxe aujourd'hui qui sont en Guinée, ça appartient aux membres du CNRD. Pendant que le peuple est en train de souffrir, ça appartient aux membres du CNRD. C'est-à-dire comment ils ont eu là Ils ont eu l'idée là, quand ils ont parlé de vente aux enchères, vous savez que c'est Amara qui a géré les ventes aux enchères. Personne d'autre n'a géré les ventes aux enchères, c'est Amara qui a géré ça. Les véhicules des anciens dignitaires là. Les véhicules de l'ancien gouvernement là. C'est comme ça qu'ils ont eu l'idée. Parce que tous ces ventes aux enchères là, il n'y a eu que peu de véhicules, peu peu de véhicules qui ont été vendus. À quelques particuliers en Guinée. Ce peu de véhicules qui a été vendu aux particuliers en Guinée, le reste, tout le reste, a été transporté en dehors de nos frontières pour aller être revendu dans les autres pays, les zones CFA, telles que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et autres. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée là. Au lieu. Voilà, qu'on parle les demandés dans les comptes, parce qu'ils ils se disent que, comme je vous ai dit là, wallahi, billahi, tallahi, Jordan il a peur. Seuls les partisans du CNRD, seuls vous, hein, qui voulez faire croire à Jordan, hey, tu peux rester, tu peux continuer. Au lieu de chercher à tenter de négocier avec Claude Pivy pour le tuer, pourquoi tu ne vas pas aller négocier avec les partis politiques Hier, ton faux premier ministre, nouveau Maboul, nouveau Guignol, Doyen Baouri, hein, Doyen, c'est ça, c'est vous qui avez permis maintenant que le peuple va vous manquer, voilà, ce petit respect, ce, ce grand respect qu'on qu apportait pour vous. C'est ça, hein. Doyen, vous êtes le nouveau Maboul du CNRD. On va vous dire ces vérités-là. A convier les leaders politiques pour aller, voilà, parler avec eux. Pourquoi Pourquoi vous, le CNRD, toi, Jordan, tu ne peux pas aller négocier avec les leaders politiques pour essayer d'organiser les élections, partir Au lieu de forcer, le, faire le forcing, faire le forcing, faire le forcing, jusqu'à ce qu'un coup d'État va venir te taper. Boum Est-ce que quand un coup d'État te tape ici, tu vas parler de négociation Tu ne peux plus parler de négociation, parce que le coup d'État, c'est les armes. Aussi simple que ça. Il faut prendre exemple hein, aux démocrates de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a même pas plus tard, hier, le Sénégal a montré que c'est un pays de modèle de la démocratie africaine. On peut prendre exemple sur ça. Je vois des gens qui sont en train de mettre aujourd'hui des statuts pour dire que oui, ah, si on avait un leader comme Sonko, si on avait un leader comme Sonko, on allait s'en sortir. Eh, non, mais regardez-moi ça. Au lieu de parler d'un leader... Pourquoi d'abord nous n'allons pas parler de nous le peuple C'est nous le peuple qui est militant. Il ne faut pas regarder son co, il faut regarder les militants de son co. Parce qu'un leader ne peut rien sans ses militants. Un leader ne peut rien, absolument rien. Quand on parle d'un leader, c'est une personne, un individu. Mais derrière un leader, il y a toujours ce qu'on appelle les militants sympathisants. Mais si nous qui sommes le peuple, nous qui sommes les militants, nous qui devons soutenir ces leaders, adhérer à leurs idéaux, adhérer à leurs projets de société pour les accompagner, si on joue les lâches, si on joue les hypocrites, si on joue les vendus, est-ce qu'on peut avoir un leader hein, qui peut avoir le cran comme son co Jamais. Quand vous voulez dire des choses, vous voulez parler des choses, il faut d'abord réfléchir à mille fois avant de le dire. Aussi simple que ça. Si aujourd'hui la Guinée, on se retrouve dans cette difficulté, dans cette situation, c'est parce que c'est le peuple qui est hypocrite. C'est nous qui sommes les premiers responsables de la souffrance que nous sommes en train de subir. Le peuple sénégalais s'est levé comme un seul homme et a soutenu un leader. Ils n'ont pas regardé son ethnie, ils n'ont pas regardé... D'où il vient, ils n'ont même pas regardé qui il est, ils ont cru à son engagement et ils sont allés jusqu'au bout et par fini ils ont gagné. Alors, Mamadi cherche à négocier avec Pivi. Est-ce que c'est à Pivi qu'on devait chercher à négocier aujourd'hui? Hein? Non! Si tu veux vraiment hein, que les choses aillent de mieux pour toi, au lieu d'avoir peur, hein, comme c'est peur, peur-là. Tu avec les leaders politiques, tu organises les élections, tu quittes le pouvoir tranquillement, tu pars te former et puis revenir plus tard. Hein? Tous ces char char charabias-là, ça sert à quoi Donc, en gros, peuple de Guinée, c'est le système-là qui est gangrené dans le pays. Une, une voiture de luxe qui coûte 10 millions d'euros qui coûte 5 millions d'euros, qui coûte 2 millions d'euros, qui coûte 3 millions d'euros, qui coûte même 1 million de dollars, aujourd'hui, les gars-là achètent pour que ça puisse voilà, les servir plus tard. Parce que on ne peut pas aller les arrêter pour demander, ah, on peut pas arrêter la personne à qui vous avez donné ces véhicules-là. Parce que c'est pas eux qui sont en train de conduire ces véhicules-là. Ce n'est pas eux-mêmes. Qui ont immatriculé ces véhicules-là à leur nom. Ils ont donné ces véhicules-là à différentes personnes lambda, leurs proches, en gros. Et ces proches-là, hein, qui ne sont même pas liés, c'est-à-dire liés à eux directement, tu ne peux pas attraper ça. Jamais. Il y en a qui ont donné à leurs beaux-frères, il y en a qui ont donné à leurs cousins éloignés, il y en a qui ont donné à leurs. C'est-à-dire de, des amis de leurs petits frères ou de leurs grands frères. Et ceux-là ont mis des véhicules là à leur nom. Pendant que il faut 21 millions de dollars pour que Conakry ait le courant chaque année. Et vous dites que vous n'avez pas d'argent. Le pays est rempli de véhicules de luxe. Le pays est rempli de, de gros cylindrés. Bim Dès qu'il va y avoir coup d'État. Toutes ces personnes-là vont prendre ces véhicules-là, ils vont sortir pour aller les vendre. C'est-à-dire, c'est leur monnaie de champ, c'est leur pièce, c'est leur banque centrale, ça, tous ces véhicules-là. Mamadi, il a des gros cylindrés, des véhicules de luxe. Amara, il en a. Diba, il en a. Je dis que vous allez compter peu qui n'ont pas ce système-là aujourd'hui. L'idée est venue, c'est quand ils ont fait la vente aux gens chers des véhicules des anciens dignitaires. Et ça, on sait qu'on n'a jamais vu l'argent là. On sait qu'on nous a jamais montré l'argent. Amara, il est ouïa, hein? où est l'argent Des véhicules. Les ventes aux enchères. Où est l'argent L'argent est où Où est les 30 millions de dollars qui étaient au palais couturier? L'argent est où Où est cet argent Vous dites que vous êtes venus pour refonder. Bande de malhonnêtes de merde. Bande de malhonnêtes de merde. Il ne serait-ce qu'une seule fois. Un Moussa d'Adis Kamara a pris un document montrant au peuple de Guinée en disant les 22 millions de dollars sont là. Voici les 22 millions de dollars. Voici les 22 millions de dollars. Ils sont là. Je ne les ai pas touchés, les 22 millions de dollars. Depuis que vous vous êtes là, hein? trois ans bientôt. Il ne serait-ce qu'une seule fois, même un centime. Est-ce que vous avez montré devant le peuple, hein? est-ce que vous avez montré devant le peuple, vous avez pu prouver quoi hein? Que les supporters du CNRD, vous qui aimez parler là, ou vous qui savez que vous êtes les génies là, les mieux formés là, il faut venir nous démentir ici, il faut venir nous démentir ici, depuis que vos, vos ludeurs de merde sont au pouvoir, il ne serait-ce qu'une seule fois. Est-ce qu'ils ont montré un tout petit bout de papier pour dire que l'argent qu'on a récupéré ici, est-ce que, voilà, l'argent qu'on a récupéré ici, voici, on a investi dans ça, voici l'argent là, c'est dans telle caisse, c'est dans telle patatine, c'est dans telle patata. Les récupérations de domaines de l'État. toutes les récupérations qu'ils ont faites, ils ont fini de tout vendre aux Indiens et aux Libanais. Toutes les récupérations de domaines de l'État. On dit domaine de l'État. Ils ont vendu ça. Aux étrangers, eux ils sont en train de construire des immeubles où ils vont louer chaque appartement minimum, minimum 2 000, 3 000, 4000 dollars. 2 000, 3 000, 4 000 dollars. C'est ça la refondation. C'est ça que vous appelez refondation. C'est ça que vous appelez refondation. Yala. Oui, moyen. La Guinée. Vous êtes pitoyable. Assez vous vous dites que oui oui le Sénégal patati patata. Le problème de Sénégal c'est la population qui a réglé ça. Ce n'est pas un leader, ce n'est pas Ousmane Sonko qui a réglé le problème du Sénégal. C'est les militants qui se sont qui sont restés derrière engagés derrière Sonko et aujourd'hui ils ont gagné aussi simple que ça. Vous avec toute la richesse. Le Sénégal n'a que le pétrole, le gaz, hein, avec Arachide. Nous, on a l'or, on a le diamant, on a la bauxite, on a l'aluminium, on a le pétrole, on a tout. On a même, on a la plus grande réserve de fer au monde. Bientôt, ils vont commencer à exploiter ça. -biri -biri. Eux, ils vont s'enrichir. Eux et leur famille, leur enfant, leurs petits enfants, leurs petits-enfants, ils vont s'enrichir pendant que toi, tu es assis derrière ton téléphone qui n'est même pas bien portant, ton téléphone qui est en train de... c'est-à-dire de, 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 de battre à 100 000 à l'heure, quand tu charges juste 30 minutes, ça se vide là. Tu viens pour dire ici que vive colonel Jordan Mamadi Doumbouya. Tu es pitoyable, vraiment pitoyable. Vraiment, vraiment pitoyable. Peuple de Guinée, le blanchissement CNRD. C'est ce système-là aujourd'hui. Gangrené. Tous les véhicules de luxe que vous voyez, les personnes qui roulent dedans, ce n'est pas pour eux. La majorité, c'est pour le CNRD. À bon entendeur. Salut.